Non, me regarde pas comme ça. Mais de quoi? Mais de quoi? Je t'ai tabassé avant la vidéo, tu vas avoir un bleu. Tu vas rien faire du tout. Ouais, je te le dis. Arrête de faire le. Bien quoi, la mif, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec cette énergie humaine, comme vous pouvez le voir. Ouais. Là, il tape une glace pendant le ramadan. Je suis au bout de ma vie. J'ai soif, j'ai faim, et lui, il tape une glace devant moi. Zéro respect. Alors, ce week-end, j'ai pas pu vous faire un podcast, hein, comme j'ai l'habitude de faire. C'est le ramadan, hein. Je suis au bout de ma life. Je n'ai pas la force ni le courage de faire un podcast. Du coup, je me suis dit pourquoi pas leur faire un kit de nous deux. Je l'ai jamais fait sur ma chaîne. En plus, c'est un concept qui me fait bien rire. Donc, j'ai décidé de le faire aujourd'hui. T'as un truc à dire? Non. Comme d'hab, bah c'est parti pour la vidéo. Première question. Juste avant, ouais. T'as oublié les dédicaces. Oh, les dédicaces. Alors, pour commencer, grosse dédicace à la famille Lucif de Marseille, à Walid de Mantes-la-Jolie, Alissa de Toulouse, et pour finir, Marina Judy de Montréal. Merci la mif. T'as du chocolat là. Jure, c'est pas manger la nuit. Bref, voilà, première question. Qui de nous deux, lorsqu'on était petit, a fait plusieurs fois pipi au lit? C'est moi. C'est toi qui as fait pipi au lit? Moi, je me souviens que ma mère, tellement j'ai fait pipi au lit, elle m'a jeté le matelas. C'est beaucoup pipi au lit. Je crois que j'ai fait pipi au lit jusqu'à genre CM1 ou CM2. Non, mais toi, je t'ai jamais vu faire pipi au lit. Bah, t'étais pas né. Bah oui. Qui de nos deux pue le plus? Bah, toi. C'est pas difficile à deviner. Toi. Le mec, il a les chicots toutes jaunes. T'as une nacasse. Tu mens, bah, c'est le ramadan. C'est le ramadan. Pour moi, c'est lui le plus sale. Vous savez, il fait quoi? Il dort avec ses chaussettes. Après, il se réveille le matin. Il part avec en cours. Sale mytho. À chaque fois, on crie dessus parce que tu dors avec tes chaussettes. Mais il garde les chaussettes une semaine. Qui de nous deux est somnambule? Non, tu mens, non, tu mens, je suis pas d'accord. Eh, il fait des conversations la nuit. Et la dernière fois, t'étais sur un terrain de foot. Fais la boss, je suis là. La dernière fois, je t'ai vu, tu rigolais comme ça. Quand, pendant que tu dormais, tu rigolais comme ça. Non, tu mens, c'est impossible. Qui travaille le mieux à l'école? Ouais, faut, il s'en rend des. Non, il y a un moment donné, le mensonge ne mène à rien, n'aboutit à rien. Tu veux pas faire tes devoirs, on te dit va faire tes devoirs, il fait la gueule. Moi j'étais chaud en primaire, j'étais vraiment chaud. Vous savez, en CE2, j'ai gagné la coupe de multiplication. Ok, vas-y, 4x4. 16. 7x5. 7x5, 35. Ah, il a gagné. 8x8. 64. Allez hop, oh là là, c'était. 9x9. 80, oh là. 5x5. 25. Finish. 8 divisé par 8. Ça fait 4. J'ai dit 4, ça fait 1. Ah oui, c'est vrai. Oh là 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 là. Qui mange le plus? Quand je vous dis il mange tout. J'ai acheté des nouilles hier. Alors je vais dans la cuisine, je vois les a tapées. Oui, c'est maman qui m'a dit venir déjà, je mange mes nouilles. J'ai acheté des nouilles parce que j'en avais envie, c'est le ramadan. Oh merde, c'est pas moi, c'est lui. C'est lui, il mais bouffe. Tous les jours tu vas au restaurant, mais il bouffe des quantités astronomiques. Tous les jours tu vas au restaurant, tu grattes des plats, des séries. Alors il est capable de manger un McDo. Après moi j'arrive, je commande, je sais pas, une pizza. Il vient, il tape dans la pizza. Tu ne t'arrêtes jamais, ton estomac ne s'arrête jamais. Mais je grossis pas. T'inquiète pas que tu vas gonfler d'un coup, tu vas être choqué. Qui pète le plus? Non, arrête. Ouais, merci, je préfère. Une machine à paix. C'est ce que c'est une machine à paix? Non-stop, il dégage tout le temps. Il pète. La nuit, il pète grave. Je dors, je regarde ma série, j'entends. C'est quoi ça? Qui de nous deux ment le plus? Moi. Range ta paire à focas, ramasse la tienne. Menteur professionnel, il ment à tout va, pour tout et n'importe quoi. Alors, comment vous cramez un menteur? Je vais vous donner quelques techniques, c'est simple. Vous lui posez la question super vite. C'est toi qui a mangé le Kinder? Il va réagir comme ça. Ah, non, c'est pas moi. La personne, quand elle vous fait, ah, elle commence par hein. Mensonge, Ryan. Direct. Il y a Ryan au-dessus. Le high level. Ryan, c'est. Il mange une glace, je vais lui dire, t'es en train de manger une glace? Non. Il va jurer en plus, il va jurer. Mais voilà, je mange pas une glace. Mais voilà, je mange une glace. Mais t'es un ouf, toi. Toi, tu te dis, mais la glace, elle est dans tes mains. Attends, non. Trouver un défaut l'un sur l'autre. T'es impulsif, toi. Moi, c'est moi. Alors, moi, si je suis impulsif, toi, t'es malade mental. Je te le dis. Non, mais toi, tu t'énerves trop vite, ça. Mais toi, tu t'énerves pas vite? Moi? Non, arrête. Tu t'énerves pas vite? Un mytho, toi. Loaï, va ranger ton cartable, demain t'as école. Oui. Loaï, va dormir, il est 23h. Oui. Le corps est bon comme ça. Tu lui dis va dormir ou tu lui dis va faire tes devoirs, c'est comme si tu lui avais tiré une balle dans le pied. Donc moi je pense que ton plus gros défaut, ouais, t'es trop impulsif, c'est plutôt toi impulsif. Moi peut-être bipolaire, genre j'ai des humeurs, des sauts d'humeur. Qui pue le plus de la gueule? Arrête. Non, mais arrête, mais arrête, là tu pues de la gueule. Tout à l'heure, on a dit arrête. Qui est le plus sale. J'ai dit c'était toi. Là, qui pue le plus de la gueule? Toi, par contre toi. Arrête. Moi c'est ramadan. Ok, vas-y. Ok, c'est ramadan, je pue non, de la mais gueule. Même toi, hors ramadan, tu nous wettes. Mais aussi c'est pareil. Bah c'est pareil alors. Ok, voilà. Qui a fait la plus grosse bêtise? Ouais, toi-même tu sais. Bah genre, je traversais, j'avais 3 ans, c'était au bled. Y a pas de feu là-bas, je traverse comme un hamal. Je me fais écraser par une voiture. Ça fait rire, mais bon, il était défiguré. Le mec qui traverse la voiture à la rue. Oh. Parce que c'était pour aller jouer au foot. Ah, il s'est fait renverser comme du n'importe quoi. Qui de nous deux était le plus mignon quand on était petit? Ils vont juger dans les commentaires. Ouais. Nous, on va pas donner de jugement. Parce que pour moi, tous les deux, on est mignons. Dites en commentaire, c'est qui est mignon. Moi, je trouve que je suis mignon, regardez. Oui, t'es mignon, mais moi, je suis plus mignon que toi. Après, je crois qu'on avait pas le même âge. Je crois que toi, t'étais plus petit. Qui gère le plus de meufs?
c'est toi. Non. T'as 10 ans, t'as 24 sur Insta. T'as 500k, frère. Moi, j'ai 23 ans, frère. Et... je suis retraité. Toi, t'es dans la cour des grands déjà. T'as 10 ans, t'es hal. Il est gêné, Dalma. Tu gères ma gueule. Aïe. Tu gères ma gueule. Aïe. Qui de nous deux est le plus relou? Moi, je dirais tous les deux. Non, arrête. Je dirais tous non, les deux. Non, t'es relou, je suis relou. Arrête. Ok, en quoi je suis relou? Ok, t'as pas d'argument. Moi je sais pourquoi je dis je suis relou. Je suis relou par exemple quand je tourne une vidéo ou quoi, je vais être un peu exigeant, je vais crier un petit peu, parler un peu fort et tout, ça peut énerver certaines personnes. Et moi, les gens quoi, je suis relou. Moi en quoi je suis relou? Mais toi t'es relou dans la vie de tous les jours, tout le temps t'es relou, frère. Tout le temps il contredit, il répond, il fait le fou. Qui de nous deux parle le mieux arabe? Ouais. Bah, range ta pancarte, je vais te la faire bouffer. Vas-y. C'est toi qui parle le mieux arabe, tu te fous de moi là? Baby. Je parle super bien arabe. Oh, vraiment, je le dis et je le redis. c'est pas l'imam de Drancy qui dit ça, je suis super fort quand je parle en arabe. Non, genre je parle très bien, je connais, j'ai du vocabulaire et tout, j'ai... N'arf mlih n'exprimer Non, n'arf mlih n'adr l'arabiya, n'adr vraiment fort. N'adr plus que lui. Oh non. Et voilà la mif, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous avez kiffé en commentaire la vidéo. Si vous voulez plus de vidéos de ce genre, où on est tous les deux, on vous parle à la caméra, ou des challenges, ou si vous voulez que je vous montre des baskets, ou que je fasse un peu de lifestyle avec de l'humour. Enfin bref, dites-moi tout en commentaire, franchement je suis curieux de savoir ce que vous voulez que je vous tourne. Likez aussi bien sûr la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Je compte sur vous, n'oubliez pas de t'abonner, sinon ma tête elle va apparaître. Activez la cloche, comme ça vous recevez une notification et vous ratez rien. Merci la mif, ciao. Bah tu dis au revoir. Au revoir.